Bon matin, jour 89 de 90, et même la motivatrice perd ses repères. Alors, je vous attends, je me présente, mon nom c'est Geneviève. Si jamais tu ne m'as jamais rencontré, ben, je suis entraîneur musculaire depuis plus de 14 ans. Et naturellement, ben, j'optimise aussi la santé de mes clientes en leur proposant une diète d'élimination. Hein, c'est un, c'est pas un régime. Et c'est une, ça peut devenir un mode de vie pour certaines de nous. Eh oui, je dis pas que l'alimentation carnivore est pour toutes, mais je peux te dire que manger moins de grains, manger moins de gluten, manger moins d'oxalates, manger moins de leptides, manger moins de produits transformés par l'homme, manger plus de protéines, manger plus de bons gras, ben ça aide la santé. Alors, si tu as le goût de l'essayer, tu me fais signe. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que j'avais le goût de parler. J'avais le goût de parler parce que je dis toujours, je suis une coach en habitudes de vie. Je vous aide à créer des habitudes tous les jours pour que ça devienne facile d'optimiser votre santé. Boire de l'eau tous les jours. Dormir mieux tous les jours. Se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Ça, c'est de créer des habitudes qui font, à un moment donné, on y pense plus. Mais imagine-toi, depuis mercredi soir, j'ai ma grande fille. Ma grande fille qui habite New York, chez moi. Super contente, la maman, parce que ça faisait longtemps qu'elle l'avait vue, sa fille. Mais même pour moi, ça m'a fait un peu déraper. J'ai quand même mangé carnivore. J'ai quand même bu mon eau. Je suis quand même allée au lit presque à la même heure. Je suis quand même debout à 5h. Mais sais-tu quoi? J'étais en retard de 5 minutes sur mon horaire ce matin. Eh oui, j'étais pas là à 7h pour toi. J'étais là à 7h06. Pourquoi? Ben parce que je peux pas aller dans le sous-sol. Je veux pas la réveiller. Elle m'a pas dit de pas y aller. C'est moi la cocoune qui est pas allée. C'est moi qui ai pas fait mon 15 minutes avant. C'est moi pour ma fille, pour ne pas la déranger. En vois-tu que même la motivatrice qui fait ça depuis des années et des années et des années peut perdre ses repères quand, justement, il y a des choses qui arrivent. Alors, est-ce que je me tape sur la tête puis je me dis hey, que je suis poche, je suis pas bonne? Mais non, parce que je fais mon bilan régulièrement, mais je me suis aperçue tout de suite, regardons, ah mon Dieu, qu'on retombe dans nos vieilles chaussettes de mère rapidement. Eh oui! Je suis retombée dans mes chaussettes de maman, gâteau, qui veut prendre soin de ses petits-enfants, quand on n'a pas parlé. Je lui ai pas demandé. Peut-être qu'elle dort tellement dur que ça y dérangerait à 0% que je sois en bas, comme d'habitude, à faire mon vélo, ma corde à sauter. Mais non, je n'ai pas parlé. Alors peut-être que ça t'arrive. Peut-être que oui. Hein? T'aimerais ça faire une petite marche le matin, t'aimerais ça faire ci, t'aimerais ça manger plus protéiné, t'aimerais ça éliminer l'alcool quelques soirs par semaine. Ben non, on n'en parle pas. Ben non, c'est comme ça que ça marche ici. C'est un pensez-y bien. Hein? Et ça prend pas des tonnes de jours pour justement oublier ses bonnes habitudes pour certaines. Ça fait des années et des années que Geneviève, elle a débuté sa transformation. C'est bien sûr que quand elle va partir lundi matin, hey boy, je vais être heureuse d'être dans mon sous-sol à 5h30 tous les matins. Je vais reprendre mes chaussures de motivatrice, de coach, d'entraîneur, de me choisir tout de suite parce que ça fait des années que je le fais. Mais ça peut t'arriver. Et comme ça fait juste 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an que tu fais ça, que tu as transformé tes habitudes, mais peut-être que ça va prendre plus qu'une journée, 2 jours, 3 jours à te remettre, à retrouver tes repères. Et parfois, c'est pour ça qu'on a une coach. C'est parce que c'est facile de perdre ses repères. Et c'est pour ça, tu le sais, tu le vois passer, que j'ai un programme d'une année. Une année. Une année pour ne pas perdre tes repères, pour justement les solidifier, pour comme moi. Si jamais ça t'arrive, tu vas être capable de retourner rapidement sur le chemin de fer. Et comme ça, ta vie va être toujours optimale.
Alors, ce matin, tu le sais, c'est samedi matin, on travaille notre corde à sauter. Naturellement, j'ai pas ma corde à sauter, et dans le sous-sol, puis ici, sur le beau plancher, il n'y a pas de corde à sauter. Mais ne t'inquiète pas, je sais très bien comment faire semblant de sauter à la corde à sauter. Et la corde à sauter, ben, ça fait travailler les épaules. Alors, prends une belle position, genoux un peu fléchis, et on commence à les échauffer, ces belles épaules, parce que, je te le dis, ils travaillent fort. Et de l'autre côté, yes! Rends bien le bedon. Commence à bien respirer, parce que ça aussi, ça travaille fort quand on fait de la corde à sauter, le cœur. On monte. On monte. On monte. Ouais. Allez, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, et pourquoi pas balancer les bras, parce que ça aussi, ça travaille. On balance. Toujours les genoux légèrement fléchis. Alors, vas-y. On monte derrière. On monte devant. Encore, les bras sont comme sur un chemin de fer. Alors, elles suivent le corps et elles balancent. Les épaules travaillent toujours. Allez! Et là, on avance les deux mains. Et on y va pour les petits poignets qui travaillent très fort à la corde à sauter. Et oui! Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Allez donc pour le poignet, de l'autre côté, le bras est bien tendu, pousse sur les doigts, on n'oublie pas l'autre côté, n'oublie pas le pouce, eh oui, et de l'autre côté, bras bien tendu, respire bien, et on y va pour les genoux, yes. 2, 3, 4, 5, de l'autre côté, et 1, 2, 3, 4, 5, et là, naturellement, la cheville, 2, 3, 4, 5, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, on y va aussi pour le bassin et on tourne, tourne, rends bien le bedon, le dos est droit, les épaules sont derrière, respire, ça s'en vient, yes, yes, et t'es prête, on part dans 5, 4, 3, 2, alors c'est parti, notre corde à sauter au niveau des hanches, les épaules sont derrière, les genoux sont légèrement fléchis, saut de base, deux pieds ensemble, et c'est parti, yes, on y va, n'oublie pas, tourne les poignets, corde à sauter, rentre bien l'intérieur de ton corps, ici là, pour pas que, et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relaxe pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, t'es prête et on y va. Oup, on alterne. Respire bien. Full cardio. Yes. N'oublie pas, corde à sauter au niveau des hanches. Les épaules sont derrière. Et on continue. On y va pour 10, 9, 8, 5, compte pas trop vite, 4, 3, 2, 1, et on relaxe pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on alterne, 1, 2, 3, 4, et oui, super. On tourne les poignets. Et yes. Encore. Yes. Pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
pour 10, 9, 8, 7. Est-ce que le cœur travaille bien? 4, 3, 2, et on va recommencer le petit saut de base. On dirait qu'il semble facile. Il est presque facile après tous les autres sauts. La vie est belle. Et si c'est très difficile ce matin, marche sur place ou fais juste monter sur les orteils, redescends le talon au sol, remonte, c'est parfait. Hein, on débute comme ça. On est tous au niveau où on est rendu et c'est parfait. Et on y va pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relaxe. Ah, la vie est belle. Je prends le temps de dire bonjour à Dominique, à Yolande, à Brigitte, Amélie est là. Oh, plein de beau monde ce matin. Et on y va pour 5, 4, 3, 2, et on skip comme quand on était jeune. Houp, houp, hein, on skipait. Skip, skip, skip. Ouais, skip, skip. On continue. La corde est à sauter au niveau des hanches. Et yes, t'es bonne. Wow! Et on y va pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relaxe pour 10. Tu dois dire, as-tu fini celle-là? Pas encore. Pas encore, on y va encore. Et on recommence dans 5, 4, 3, 2. Et là, comme si on était un skieur de bosse. Allez, saute d'un côté et de l'autre. Oui, oui. Allez, côté, côté, côté. Côté, comme dans les bosses. Hey, on y va pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relax. Ah. Reprends ton souffle le plus rapidement possible, parce qu'on retourne dans 5, 4, 3, 2, 1, et une jambe après l'autre. Yes! Hey, respire bien. On inspire par le nez, expire par la bouche. Et regarde bien, les mains sont toujours au niveau des hanches parce qu'on tourne la corde à sauter. Et on y va. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on respire. Inspire. Expire. Eh, mon Dieu, que ça passe vite, 10 secondes, parce qu'on reprend dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Et comme le boxeur, tu te laisses aller, jambe droite, jambe gauche. Yeah! Le boxeur. Hein? Comme Rocky. Allez, on est Rocky ce matin. Et on y va. Pour 10, 9, les épaules sont derrière, poitrine devant. Et en reste 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est la dernière fois que tu relaxes 10 secondes. Par la suite, tu pourras le relaxer toute la journée si tu veux. Alors, t'es prête? On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Et saut de base. Yes! Et là, impact. Saute le plus haut possible. On veut rejoindre le plafond. Allez! Allez! Des petits kangourous ce matin. Et on y va pour 10. Oublie pas la carte à sauter au niveau des hanches. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et yes, yes. Célèbre. 89e fois qu'on est ensemble. Et on va célébrer demain. Et oui, 90 jours. Déjà. 90. En tout cas, j'espère que tu es fière de toi. J'espère que tu vas célébrer. J'espère que tu vas partager ça sur tous tes réseaux sociaux et dire « Hey, on est une gang de fofolles et tous les matins, on bouge 5, des fois 10. Hein? » On faut se le dire, là. La dernière fois, on était vraiment 5 minutes, mais vous êtes bonnes, mes filles, parce que certains matins, comme même ce matin, on a travaillé 10 minutes. 10 minutes ensemble. Sans vous en rendre compte, vous avez augmenté de un petit 5 minutes à peut-être un bon 10 minutes. Yes! On célèbre. Et tout le monde m'a dit, Geneviève, grâce à toi, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à toi! C'est grâce à toi!
Oui, je t'ai donné un modèle. Oui, je... hein? Mais c'est grâce à toi. Remercie-toi. Remercie ton cerveau, le grand décideur, d'avoir pris la bonne décision d'être là tous les matins. Pour toi, pas pour moi. Moi, je le fais pour moi. Ben oui, ça m'incite d'être là, puisque je t'ai promis. Je t'ai promis d'être là. Je me suis engagée. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Quand on s'engage envers soi-même, on est au rendez-vous. Même si on aime notre grande fille, même si on aime notre petit bébé, on est au rendez-vous pour soi. On est la personne la plus importante. Moi, ma fille, quand elle est à New York, là, elle s'en foutue de sa mère. Ben oui, elle s'en fout. Elle sert ses clientes dans la boutique, elle vend en ligne les plus beaux vêtements du monde. Elle s'occupe de son chum, ses amis. Sa mère, là, elle n'a rien à foutre. Donc, si je ne m'occupe pas de moi, là, qui va s'occuper de moi? Pense à ça. En vieillissant, là, quand les enfants partent de la maison, puis parfois, le monsieur aussi, il part, là. Il reste qui? Toi et toi. Alors, célèbre ce matin, célèbre 89 journées ensemble. Célèbre que tu te choisisses chaque matin. Je te le dis, ça, c'est le plus important. Et naturellement, bien, je dois te laisser parce que j'ai des appels téléphoniques très tôt. Parce qu'il y en a que ça dérange. Il y en a que ça leur dérange de ne pas participer à notre programme. Ça les titille, là. C'est quoi cette affaire-là, une année avec Geneviève Derry? Une année avec moi. Ah, des fois, c'est le fun. Il y en a qui ont eu du plaisir hier avec leurs appels téléphoniques. Il y en a qui me trouvent moins drôle. Mais si tu veux des changements, parfois c'est moins drôle. Parfois c'est difficile quelques jours. Mais quand tu commences à voir les résultats, ça vaut chaque dollar. Moi, je peux te dire, j'ai dépensé des milliers, des milliers, des milliers, de dizaines, de milliers de dollars pour optimiser ma santé. J'ai tout lu, j'achète tous les livres. Moi, là, Amazon, il me remercie presque tous les jours. Presque. Il y a presque tous les jours un livre qui arrive sur ma tablette Kindle. Presque. Si ça n'arrive pas sur ma tablette, c'est que ça arrive devant la porte. Mon chum, il n'en peut plus. Mon chum, il n'en peut plus. Mais c'est quoi? Je suis certaine que ce que je fais, ce que j'optimise, bien, il y a quelqu'un qui l'a étudié, qui l'a lu, qui l'a pratiqué. Et peut-être que pour moi, je vais l'essayer pour m'assurer que ma santé va être optimale. Puis peut-être que j'aurai une petite piste pour certaines de mes clientes qui ne se comprennent plus. Peut-être. Et si ça, ça parle, peut-être que comme les deux femmes qui choisissent de m'appeler ce matin, tu aurais besoin de m'appeler aussi. En tout cas, encore une fois, je n'ai rien à vous vendre. Si vous pensez que j'ai des protéines à vous vendre, puis j'ai des poudres à vous vendre, puis que j'ai des suppléments naturels à vous vendre, j'ai rien à vous vendre. La seule chose que j'ai à vous vendre, c'est comment. Comment justement appliquer et comment créer les meilleures habitudes de vie. Celles qui peuvent vraiment limiter tes chances d'être plus malade en vieillissant. Peut-être limiter les maux qui ont déjà débuté. Peut-être minimiser ceux qui sont là. Et peut-être, pour certaines, on dirait que sont disparus. Alors, si ça te parle, c'est peut-être ça que j'ai à t'offrir. En tout cas, il y a plus de 25 femmes qui ont décidé que c'était pour eux autres, qui se choisissaient. Alors, si ça te parle, lève la main, écris-moi sur Messenger. Et naturellement, pour t'aider, je t'offre, comme au gym, 12 mois. 12 mois. On est 12 mois ensemble. Bien, chaque mois, tu as un frais pour participer à toutes les activités. Puis on ne fait pas juste s'entraîner. On discute. On jase. On s'assure que. On se rencontre 3 fois semaine. On cuisine. Ouais. Hier, on a cuisiné le poulet avec une petite trempette. On n'a pas juste cuisiné comme ça. On a compris ce qui est important à avoir dans notre assiette. Quoi vérifier à l'épicerie?
Ils ont appris ça, les filles. Et tout ça, là, c'est toujours là. Alors, s'ils n'étaient pas là hier parce qu'ils travaillaient ou parce qu'il y avait une activité, mais ils peuvent le réécouter ce matin, ou demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans 3 semaines, ou même dans une année. Alors, si ça te parle, go. Et sur ça, je dois te laisser. Et surtout, viens célébrer avec nous demain. Yes, j'espère que tu vas être là, 7 h. Bye, les filles.